Hello, on se retrouve pour la suite et sans doute la fin de Crash Bandicoot 2. Nous retournons dans Space Out, il me semble. Non, c'était pas Space Out. C'était je sais plus quoi. Hein. Il me semblait que c'était Space Out. Donc on y va dans la joie et dans la bonne humeur, puisque c'est la dernière vidéo sans doute. Oh, j'ai failli me faire griller l'entrée, tiens. Hey. Donc j'avais réussi tant bien que mal à récupérer le dernier joyau. Hein. Enfin, le dernier joyau, l'avant-dernier joyau. Donc là, on continue tout droit, forcément. Joyeux. Ouf. Ah oui, comment qu'on fasse? Comment qu'on fasse, là, je vois pas. Ah bah voilà. Tout ça pour ça, d'accord. Ah bah il y avait une vie. Il y avait une vie mais je vais pas aller la chercher, c'est mort. Je vais pas y aller juste pour ça. Taa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 a
incroyable, c'est... Je comprends pas. Je comprends pas, quoi, c'est... On m'en veut, c'est pas possible. Ah, non. Ok. Wow. Ah ! Deux fois de suite. Deux fois de suite, je me fais avoir. C'est absolument immonde, quoi, c'est... Qu'est-ce que je t'ai fait, Crash ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? C'est pas possible. J'ai bien envie d'exploser sur une nitro, hein, franchement. Je vous le dis, j'ai bien envie de me faire un suicide. Hop, voilà, on attend gentiment que ça explose. Ah, mais je passe pas, là. Putain, ouais. Et ben voilà, mes voeux sont exaucés, écoutez. Mission suicide. Ah, bah non. Eh bah oui, mission suicide, voilà. Mission suicide. Voilà. Eh ben décidément, j'aurais absolument tout fait dans cette vidéo, c'est... Allez, tiens, voilà, mange ça, voilà. Un bon petit suicide, bien comme il faut, une bonne nitro dans la poire, ça fait... Ça fait plaisir, ça fait zizir. Ah, c'est pas vrai. Je commence à avoir un peu les... comment dire... Les nerfs qui lâchent. C'est un peu le jeu de celui qui a la plus grosse cacahuète. Celui qui va résister le premier, quoi, celui qui tiendra le plus longtemps, si ce n'est si c'est Crash ou moi. Et ben voilà, pour l'instant tout va bien, boum, explosion de toutes les caisses, donc là pour l'instant tout va bien, voilà, on récupère en plus cet truc. Putain, mais en fait ce niveau bonus, mais il sert à rien du tout, quoi, yaï. Boum, boum, voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et gagné. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh ben écoutez, c'est gagné. Hein. Enfin, je finis ce niveau bonus qui m'aura passablement cassé la cacahuète pour rester dans le... Et je me sens plus fort, voilà, j'ai enrobé ma cacahuète de chocolat. Pour rester dans l'allusion ou M&M's, hein, tant qu'à faire. Hop, voilà, parfaitement, parfait. Bye bye mon grand. Donc là on continue dans ce niveau. Wouah, punaise, pourquoi j'attends comme un débile? Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas, ouais non, sinon ça aurait été l'explosion, là ça aurait pas marché. Donc voilà. Ah bah en plus je récupère mon Aquaku, donc à la limite c'est un suicide utile. Ouh. Boum, allez bah tiens. Mange DB, mange DB, vas-y. On se croirait dans un Bug's Life, mange DB, ben voilà. Ah, j'avais combien de vie au départ? Ouais. Ah oui c'est vrai, heureusement qu'on perd pas de vie hein, dans les niveaux bonus parce que sinon mon niveau... Mon total de vie aurait vraiment baissé. Sans compter le suicide, les suicides que j'ai pu faire. Allez, bah tiens. Fais-toi aplati en plus, hein, je te dirai rien. Tiens, ah, je grille. Je me suis fait griller. Non, je me suis pas fait griller, je me suis fait carrément chauffer. Directement, directement. Voilà, on s'emmerde pas, écoutez, on y va carrément direct. Ouais, c'était soit ça, soit le machin. Donc, foutu pour foutu, hein. On sera... Ah, ah, Amélie crache grillé. Foutu pour foutu. Autant, voilà. Foutu pour foutu, je serai pendu par la peau du... Voilà, vous aurez compris sans doute la suite. Donc c'est un... Ça peut être aussi un prénom. Si on inverse, c'est un prénom à trois lettres. Donc là, je suis encore mouru, hein.
Putain! Juste attends 2 secondes. Juste attends. Putain. J'en ai marre. Voilà. En plus, je viens de m'arracher la gorge dans ce truc-là. C'est super. J'avoue, j'ai la gorge qui est irritée là sur ce coup. Oula, faut en plus que je saute par-dessus. Ah bah le niveau il est fini. Le niveau est fini, voilà. Ah bah il est temps que je finisse ce niveau, hein, putain. Aïe. Ouf. Ah là là là. Bon sang. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose ce niveau, regardez. Space Out est complété. Ce niveau est totalement complété. Ah, bah cinématique. Moi aussi je peux le faire. Génial est presque achevé. Non mais... C'est à toi, Crash Bandicoot. Pourquoi y'a toi qui peux rigoler comme ça? Que je le dois. Engine, que se passe-t-il? Quoi? Est-il en train de nous voler notre protection? Crash. Ah, c'est Coco. C'est Coco. Pour sauvegarder l'énergie de la Terre. Tu sais ce qu'il veut faire? Coco, il veut s'en servir pour alimenter le super cortex Vortex qu'il a construit sur sa station. Coco. Un seul balayage et tous les habitants de tous les mondes seront transformés en avortons. Esclaves de Vortex. Crash. Esclaves de Cortex, ouais. C'est un destin tragique. Engine pitoyable. Elle lui raconte tout. Eh bien, nous sommes revenus. Désolé de cette interruption. Crash. Où sont mes cristaux? Eh ben, je vais te donner des cristaux, écoute, attends, oh. Et regardez, hein, 96%, d'accord. 42 sur 42, 25 sur 25, et pourtant j'ai 96%, ok. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolé. Je suis désolé, ah franchement, je suis désolé, je m'excuse vraiment. Alors là, mais toutes mes excuses... Toutes mes excuses... Je suis désolé. Je suis, mais alors, désolé. Ah, je suis vraiment désolé. Ah, je me sens vraiment gêné. Je me sens vraiment gêné, là. Je suis désolé, je suis vraiment... Wow, désolé. Je suis désolé. Allez, tiens, prends ça dans ton cul, Cortex. Ah, je suis désolé, franchement, c'est... Ouais. Je présente vraiment toutes mes excuses pour ce bruit, franchement, je suis désolé. Ah bah allez, clac. Bon, heureusement, vous me direz, c'est que je ne meurs pas, hein. C'est un peu comme dans les niveaux avec l'ourson et la bouboule, les niveaux boulders. Bon, là, le problème, c'est que ça soit un peu le fait, j'ai l'impression. Je vais arriver avant lui, à son tuyau, et ben, fini. Il est parti dans l'hyperespace. J'ai gagné. Eh ben non, j'ai perdu, mais c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné, c'est Cortex qui m'a transformé en petit esclave. Ah voilà, on lui explose déjà ses miches. On lui explose ses noix de coco. Ouais non, noix de coco là non, ça veut dire qu'il en aurait des machins et... Bref, cessons un peu avec les... Avec les allusions un peu étranges. Ah, je me fais bouler. Je suis un vrai boulet. J'allais, je fais encore astéroïdé. Boum, allez. Ah bah c'est bon, je l'ai eu, mais bon, il est... Oh putain, il est parti loin. Yay. Normalement, ça devrait être presque bon, je pense. Ah non. C'est foutu. Putain, allez. Ça, il manque à rien. Il manquait à rien. Il manquait à rien. Je suis désolé. Je suis désolé, hein. Franchement là. J'ai encore failé. Bon, on dirait j'ai encore 26 tentatives. Donc à la limite c'est pas encore trop grave. Boum, allez, tiens, wow. Je vais exploser ces biches. Ah, il a morflé le Cortex, hein. Ah mince. Allez. Allez. Ouais.
C'est bon ça, allez, plus qu'un coup et normalement ça devrait être gagné. Et... gagné. Excusez-moi, ça a duré longtemps le... mais c'est gagné. Oh, ouais, finalement, désolé, hein, j'ai pas pu te donner les cristaux, à chaque fois je t'ai explosé, t'as fini d'exploser, donc excuse-moi. Hein. Donc, les cocos qui surfent sur Internet. Crash, à ton avis, qu'est-ce qui est arrivé à Cortex? Et le Super Cortex Vortex, il est où? Moi, je vais te le dire, il est toujours là-haut. Mais Crash, ils sont pas les steaks de ce truc, ils pioncent, quand Crash, ils pioncent. Donc là, le... comment dire, le... l'engin de Cortex est toujours en liberté. Hein. Ok, ouais. Ah, donc ça veut dire qu'en fait, j'ai pas eu la bonne fin. Ça veut dire que j'ai pas eu la bonne fin, en fait. Serait-ce un fail? Serait-ce un fail de 100%? Non, c'est pas possible. Attendez, c'est pas possible. J'aurais pas failé, quand même. C'est pas vrai. Me dites pas que j'ai dit que j'allais faire un 100% et que finalement, j'arrête à 96. C'est pas possible. Non, j'ai pas failé, non. Me dites pas que c'est un fail. Me dites pas que c'est un fail. Me dites point que c'est un fail. C'est pas possible quoi, c'est... excusez-moi. Me dites pas... excusez-moi, plus j'en pense à ce qui s'est passé. Mais me dites pas que c'est un fail quoi, non, c'est... j'ai pas fait le 100% juste pour ça. J'ai pas juste pour ça quand même, non. Non, j'aurais arrêté au bout de 19 vidéos, hein, normalement. Je dis bien normalement, hein. Bon, ça va, j'en suis à 17 minutes, donc à la limite, j'ai encore largement le temps. Hein. En même temps, on peut au moins admirer la musique. Ah, donc, vous voyez, en même temps... ah, Kobayashi, Junichi Kobayashi. Donc ça a été fait par des Américains, des Japonais, hein, forcément. Voilà, Gollum. Ah, oh, Gollum. Gollum est là. Ah, Docteur Nitrius, Brio et Engine, Coco Bandicoot. Un spécial merci à Steve Paul, alias Wavefront, Silicon Graphic et compagnie. Donc c'est eux qui ont les copyrights. Hein. Donc serait-ce un fail? Aurais-je donc failé? Ouais. Eh ben non, je ne sais pas. Apparemment je reviens là, donc je ne sais pas. Ah. Ok. Ah. Enbrio. Tu as trouvé tous les diamants? Ah bah non, j'ai gagné. C'est incroyable. Lui aussi, il a le rire un peu fou. Ah, le seul moyen de recycler l'énergie planétaire. Les diamants sont tout aussi puissants. Grâce à eux, je peux détruire le super cortex vortex à tout jamais. Mais il est complètement excité, il est complètement barré ce mec, c'est yai. Et zoom, accroche-toi. Ok, donc on va regrimper sur la plateforme, je pense. Hein. Donc je vais mettre sur la plateforme. Et j'espère hein, qu'il va me téléporter. Normalement ça devrait être bon. Et... hey, ching 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 ching. Et voilà les derniers joyaux de couleur. Et c'est gagné. Le 100%. Et gagné. Me ferez-vous la... ça c'est la vraie fin. Non mais franchement, c'est quoi ce rire complètement barré qu'ils ont à chaque fois? Et voilà, on explose l'engin de Cortex. Je vous remercie à tous d'avoir regardé ce let's play, ça m'a vraiment fait plaisir. C'est vraiment super, on se retrouvera pour le Crash Bandicoot 3, je vous dis bye bye.